attendez un petit peu, la pêche est super dure. En plus, j'ai pas du tout le matériel adéquat puisque j'ai un moteur thermique qui marche pas, pas de moteur électrique, pas d'encre, donc j'ai décidé de pêcher du bord. Et le coup du soir qui se présente, je vais mettre un coup de stick bait ou deux. Mais non, c'est pas évident. Et voilà, j'ai pêché toute l'après-midi un peu dans le vent, j'ai vu des perches soleil, j'ai vu des tortues. J'ai vu des basses de 5-6 cm, mais non, j'ai pas vu les gros basses escomptés. Et je pense que la semaine va être pas simple. Voilà. Donc, à suivre. Considérable. Et en plus, je me suis pris 4 heures à le faire. T'as le droit de te dépiquer maintenant. Avec un leurre de notre ami Martin Fischer. Petit clin d'œil. Grâce à toi, Martin, je fais mon premier bass de la semaine. Voilà, 2 jours carreau. En fait, on a remonté le barrage sur 1 km pour revenir finalement près du camp de base. Et voilà, notre premier bass du Maroc. Bye bye. Hop, 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 hop. Allez, on s'en va. Allez, allez, hop, 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 hop. On laisse le maïs. Allez, 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 allez. Est-ce que c'est la première fois que tu attrapes un mouton, Patrick ? J'ai attrapé à peu près tout ce qu'il est possible d'attraper. Y compris des chauds de pisse. Peut y en avoir. Là, en fait, c'est la première pierre. Je retourne une pierre. On va regarder peut-être. Direct en dessous.